Michel Dotodia est arrivé au pouvoir il y a 7 mois. Ancien fonctionnaire, il a rallié les rebelles du Nord à majorité musulmane. Sa coalition armée, baptisée Seleka, l'alliance en langue sango, a pris Bangui en 2 heures, quasiment sans combattre. Les milices à majorité musulmane affrontent les groupes d'autodéfense chrétiens. La bataille de Bangui a pris tout le monde de court. La guerre entre rebelles chrétiens et musulmans vient d'atteindre la capitale. Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine a connu plusieurs périodes d'instabilité. Les événements de ces dernières années ont poussé les Centrafricains à exprimer leur désir de lutte contre l'impunité et, plus globalement, leur soif de justice. La Cour pénale spéciale est née de cette volonté. Nous sommes venus, comme vous le voyez, la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale et des représentants des juridictions ordinaires pour lancer un message aux victimes des crimes atroces qui ont été commis en Centrafrique, que ces crimes ne seront pas oubliés et que ces victimes ne seront pas abandonnées. Madame le greffier en chef, veuillez donner lecture des décrets. Monsieur Toussaint Moutazini Moukimakar est nommé procureur spécial de la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine. Vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions. Je le jure. Je le jure. Et à la rentrée le 22 octobre soir, Biani, il fallait nous polémer dans les titres quoi que pour ça la Tifamo Manga, Tiku pénal spécial à Londres. Manabe que na bango do type pression trafiquaire que meni langoso la na fa que azu so quoi ça choné na ti kodro so sola ni ala pensé peut-être que a que fanga na la litia la peso langoti le 22 octobre so a fa que biani ou pénal spécial à l'ONU na pour ça là ouais Fadé a été guéri encore, quoi, de ce quoi, ça, Chomi, mais tu connais aussi, tu tenais à femme à la Nidja. Président, a été, toi, tu soumis, tu es fané, tu es un jouki, a été, tu tenais, bi, bandou, nandoutia, kousala souge, encore, quoi, ton ana, ni wara dossier, souci, procureur, tokagi, bilan, bi, ba, comment le petit toka, na, chambre, l'indé, tu tenais, La Cour, les crimes commis en Centrafrique sont énormes et les crimes qui ont été soumis à la compétence de la Cour pénale spéciale, c'est-à-dire les crimes qui datent depuis le 1er janvier 2003, sont tellement nombreux qu'il est impossible à une seule juridiction de pouvoir faire face à cette criminalité. Avant d'engager une enquête, le procureur de la Cour pénale spéciale prend attache avec la Cour pénale internationale pour savoir si la Cour pénale internationale n'enquête pas sur le même fait. Par rapport aux juridictions de droit commun centrafricaine, la loi organique donne à la Cour pénale spéciale la possibilité de dessaisir les juridictions de droit commun. Le législateur centrafricain a pensé que 3 autres juridictions pouvaient opérer en même temps avec plus de chances de s'attaquer à cette criminalité de masse. Le rôle essentiel du bureau du procureur, c'est d'ouvrir les enquêtes sur les crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale spéciale et de pouvoir soutenir les dossiers devant la Cour d'assises pour obtenir soit la condamnation, soit l'acquittement des personnes qui sont traduites. La Cour pénale spéciale doit d'abord s'attaquer aux crimes de son domaine de compétence, c'est-à-dire les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Si les faits qui sont portés à sa connaissance répondent aux définitions de ces 3 crimes, ensuite on va voir si ces crimes revêtent un certain seuil de gravité, que nous voyons par rapport, par exemple, au nombre de victimes, par rapport au nombre des assaillants. Nous allons également regarder, en ce qui concerne la sélection des cas, le rôle joué par les acteurs
dans ces crimes, nous ne ferons pas comme la Cour pénale internationale qui s'occupe seulement des hauts dirigeants. La Cour pénale spéciale va s'intéresser à toutes les personnes qui ont joué un rôle clé dans la commission de ces cas-là. La commission Vérité, Réconciliation, Justice, Réparation qui a été établie par les accords de Khartoum, nous n'en connaissons pas encore le mandat. Mais par rapport à l'expérience des autres instruments de la justice transitionnelle qu'on a connus dans le passé dans d'autres pays, et par rapport au règlement de procédure et de preuves de la Cour pénale spéciale, nous pensons qu'il est possible d'établir des passerelles de collaboration. Nous sommes au siège de la Cour pénale spéciale. Tout le grand public, les médias, vont accéder à la salle d'audience à partir de cette entrée principale. Il y a deux niveaux. Donc, il y a la possibilité d'accéder par cette porte et cet escalier, mais il y a l'entrée ici qui permet au public de prendre place donc à l'espace pour suivre les activités judiciaires, les procès qui vont avoir lieu dans la partie séparée dédiée à la Cour et aux différentes parties en procès. Alors, comment déposer plainte devant la Cour pénale spéciale? Une victime peut directement venir à la Cour pénale spéciale au guichet qui est logé pour déposer sa plainte. Une association des victimes ou une organisation des droits de l'homme peut déposer également au sein de ce guichet une plainte. Les crises successives dans le pays ont fait de nombreuses victimes. La plupart d'entre elles se rapprochent d'organisations communautaires ou d'organisations de défense des droits de l'homme. Merci. Ah, merci. À la gare. Merci. Bon, tu as la notion de penser à une quoi et t'es à y mener quoi, soit que mène quoi t'es d'arras, soit mène et t'assou et n'alexa comme beaucoup dans beaucoup. Soit qu'il y a un bataille à Wali là, car c'est des femmes juristes centrafricaines. Pendant les tout cas, et qui référé mon cas, tu as la bacate traumatisme, à la lac n'a agent psychosocial, soit finalement l'angoisse de Tikwani, et pas aussi la qu'il n'a amené à Wanganga ou ça que bâtir Nandoni, à y pimber petit mot. Amenez-vous sur la maman, c'est quoi la date, c'est quoi, on a le courage. Tant que c'est quoi la tina corotti, et à Moussou du Missa Kenata, à Bata, Mion Betati, Batati Bangi, à la Bapa Simingi, à Sarchendala, c'est à la quoi, Pagagina, Kilomessengi, et à la Sakina Kita, Kodrosak, la Terati Bangi, quoi, Pagagina, Kilomesseng, à Kenatango, une seule avec ma sœur, quoi, n'en doute pas victime, et qu'une victime soit déjà en salle, on sait qu'au tas, soit déjà on y a. Mais il y a enregistrement, parce que c'est ça l'enregistrement. Ouais. Deuxième procédure, il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se victime, c'est le bonheur de la victime musulmane, ou le chrétien, ou le bahaïo, ou le témoin de Dieu. Il faut que les gens soient en train de se faire. Le 5 décembre 2013, je suis à Barakali. Je suis là à 4h du matin et puis à la Gouy. Et puis, à la phase où il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
Je suis allé à la maison. Soit bien sûr, c'est accompagné, c'est fatigué, il y a des gens qui ont été faits, ils 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 ont été faits, Il y a des gens qui ont été sensibilisés, informés, population dans l'évolution du cours pénal spécial, 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 dans l'évolution du cours pénal spéc
na bagiti mon somo iki victime et meni kusala ti esu y encourager à victime titala zatereta na réseau na association titala d'une réseau parce que toi là d'une réseau il peut partager information ne là il que mu tapande na ita titena tongala yitinga ngosi na momo inga twenty protéger territoirement moi déposer plainte tongana et na niveau ti coalition ti cour pénale spéciale il sera kusala mingi na projet conjoint à équipe sur certains na légitime sensibilisation ici à Kusa na là il dit internet a débat en somme internet là somme internet appelle somme internet il forma ita na association tia victime avec Dakeda Asvia Keda bata association. Qu'est-ce qui se passe après le dépôt d'une plainte? Le procureur spécial ouvre une enquête préliminaire après analyse et il peut également sans dépôt d'une plainte ouvrir une enquête préliminaire à partir des faits connu de lui et à l'issue de l'enquête, il saisit la chambre d'instruction pour la suite de la procédure. Alors, il est vrai que la Cour pénale spéciale, c'est une juridiction nationale, mais le législateur a également voulu la présence d'internationaux. Donc, on peut dire que la Cour pénale spéciale, c'est une juridiction nationale internationalisée. Parallèlement à l'adoption de la loi donc de 2015 qui a créé la CPS, il y a eu des accords qui ont été conclus entre d'une part le gouvernement centrafricain et d'autre part la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, pour que la mise en place et le fonctionnement de cette cour soient appuyés par la communauté internationale. Alors l'appui, ça voulait pas seulement dire l'apport de ressources matérielles et financières, mais également un apport de ressources humaines pour renforcer les capacités nationales. L'appui international, il a été voulu pour deux raisons. La première, elle est essentiellement technique, c'est parce que les crimes qui sont de la compétence de la Cour, à savoir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide, sont des crimes particulièrement complexes. C'est-à-dire ce sont des crimes commis à grande échelle, ce sont des crimes de violence collective qui nécessitent une expertise particulière par rapport aux crimes de droit commun. La deuxième raison à la présence d'internationaux, c'est le renforcement de l'indépendance de cette Cour. La loi de 2015 est claire également et elle a voulu vraiment assurer que la Cour pénale spéciale soit indépendante de tout pouvoir politique. Nous avons bien conscience en tant que magistrats que les Centrafricains s'impatientent et se demandent quand auront lieu les premiers procès. Mais il faut vraiment, il est important que tout le monde comprenne que les crimes qui sont de la compétence de la CPS, ce sont des crimes complexes. On n'enquête pas sur un fait isolé, un meurtre ou un viol, mais on enquête, comme je l'ai indiqué, sur des crimes commis à grande échelle, c'est-à-dire qu'on va enquêter sur des multiples faits. Par exemple, on va enquêter sur l'attaque d'un lieu ou d'une localité qui a causé plusieurs morts, où il y a pu avoir des viols, des tortures, des destructions. Donc tout ça, ça va prendre du temps parce que vous avez un grand nombre de victimes et également un nombre important d'auteurs potentiels puisqu'on va aller du simple exécutant au donneur d'ordre ou au supérieur hiérarchique. Il faut savoir également que les textes qui fondent la CPS et qui encadrent la CPS ont vraiment insisté sur les standards internationaux pour garantir un procès équitable. À ces raisons générales qui sont liées au type de crime, on peut aussi ajouter une explication qui est spécifique à la Centrafrique. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'en Centrafrique, il y a une bonne partie du territoire où il y a encore beaucoup d'instabilité, si ce n'est de l'insécurité. Et tout cela rend l'accès aux témoins, victimes et suspects plus difficile. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire impossible, mais ça veut juste dire que ça peut prendre plus de temps. Comment opère la chambre d'instruction ? Après saisine par le bureau du procureur, la chambre d'instruction décide d'instruire un dossier. Elle peut également, sur la base d'une plainte d'une victime avec constitution de partie civile, enclencher l'instruction d'un dossier. À l'issue donc de l'instruction du dossier, la chambre d'instruction peut décider d'un non-lieu ou d'un renvoi devant la chambre d'assises qui est la formation de jugement. La chambre d'assises procède à la tenue des procès et peut arriver à la condamnation des accusés ou à l'acquittement. La CPS tient son caractère spécial par sa composition mixte, par la gravité des crimes qu'elle poursuit et par l'indépendance totale de son parquet. Pour réaliser son travail d'enquête, elle dispose de plusieurs unités dont certaines jouent un rôle crucial. L'unité de soutien et de protection des victimes et témoins, l'unité spéciale de police judiciaire et le corps spécial d'avocats. Si vous n'y prenez garde,
tout ce que vous aurez fait comme travail, ça va tomber à l'eau. Ça va vraiment chuter comme un château de cartes. Naachi kusalati so ike saraso ike liti ya ke en principe baluise gendarme balako a policier balako et puis nayani aussi ike na a policier ti Nations Unies so liti la ke omene ike na magistrat ike na greffier chambe na kodro me cha kodro ti ge aussi et puis ike aussi na expert so si ya la manda kusalati mbanga ti a technique tia ngobo ti sala kusala ti enquête ni imanda ba tia ngobo mingi ngobo tia kusala na tia technique ti par exemple amena gingwa moyen ti fangwa tene ba zula kui zo soit kui soit ke zoa asala tona isenga tena ke lola lukui kwa tia la wara lunye ike giti tani manda ti tani nganda ni kwa e so ake a fini ngobo ti kwaso isala ni silani yenani apa mena commence ngo kusala so isala so iwara fini ngobo ti kwaso et puis anzerna imingi kusala ti yake ti tene igi tene imatene zo kwi katonzo imatene gbida katonzo imatene ya passer katonzo yeni ya sala tonga na isi tonzo a passer agiti tena muzuka gana ya tene ba lo solo sala tonzo ta ake lo solo sala tonzo senti tani wara ini apa igbuzuni apa dunia tizo akengangu dunia tizo so si lo fazo akengangu akena même titre également ton atia famille tizo so ngwana zingo yeti tani sala kusala ti ti tena si isara erreur mingi apa yeti za erreur na tereni ton atene mola mosara ye yeti inga mosara ni tongona ye tena sala tena so est ce que ta tena wala ta tena pe nyela fa que mola mosara ni nyela fa que mola mosara ni apa nye il faut de wara iso kwatu wa ton a chitene izi moyamba na chitene izi monandoni mais ton a chitene iza tena ndoti mbangati mola mosara ye fade keza tena ndoti iti fana la so na CPS kusala ti ti unité ti protection a keti tena imu mombo kona lege ti kungba nga na mungo wango na ya lingo ye ke sara kusala la na la na lege ti mungo mombo ko na lege ti auto kobe bongo wala dati lango nga ti protéger a témoin ti kuna témoignage nga na mbanga ake dia victime sosi CPS ayinga la na a enquêteur aida na tenetala alingbi a victime a dekongo na ndo plainte so ala suso pepe e songbo dutingo po a peu a sarsi a choyi a petit sinayi pepe alingbi aussi a victime a pousse nduru na tereti a association ti a victime na alati droits humains ndaliti mungo wango e si ti kuna a iringondo cha enquêteur tongana sepe saida na témoignage shimoni unité de protection que gande nduruna mo ti protéger mo en fonction ti risque so moins kenani ala venisi ayinga zo so kunduruna ala ala yinga vakatala na ala yinga nga azu so petit sar shoni na ala akunzuni ibatater ti ko jonisi ndia ti ngbanga a unda na témoin ti tenetene na leti lo polele si tongana témoignage si loni aga kpalenda li ti lo fade ake onde ande le ti lo tongana ti so ala yeke baso na fade ake onde lego ti lo tongana ti so ala yeke ma so tongana akpali ni angba ti gue na nduzu mingi fade ake tene ande ngbanga ni na ondengo ni na zo ayeke ba pepe na zo ayeke ma ni pepe mbeni nga ke so tongana akpali ni angba ti gue ngangu mingi fade zo ni ayeke ngba na da ti lo na loke tenetene na zo oko pepe hinga kue e yeke gbu li ti e ti protéger ala si kusala so yeke sara aga nzoni na aga ta tënë na ya ti akua so yeke sara ande na lege ti fango ngbanga ndali ti akpali so kuâ si na ya ti kodro ti e Beafrika alondo ngbene ye na ngu Saki Use andöni ota ti si na angoi so yeke daa fade ayeke za ande na sese mbeni bongbi ti awagbungo koko so si airi bongbi so atene corps spécial des avocats corps spécial des avocats ni ayeke tongana baro ti Centrafrique so ti tene bongbi ti awagbungo koko so si ayeke gbu koko na kodro ti e sese ti Beafrika
nambaginga lweke ande mbeni bumbi sosi a zosu ayeke duti na yani duti ngoti ala yani ayeke use akoni ayeke awagbungo koko ti koro ti beafrika use ni ayeke awagbungo koko so ala londo na kodro wande si ala ga na kodro ti ti tene ala sara kua ti awagbungo koko me zosu ande ayeke tisa kozo bumingo ti aita so kue ayeke lo so lo yeke na ndö ti kundu ti awagbungo koko ti beafrika so airi atene batonier ti ordre ti avocat tongana lo ti sa ala awe ala ga ala bungbi tere ti ala kue awe ala ma tere awe ayeke na popo ti ala si ala yeke soro ande lo so lo yeke duti na ndö ni so airi lo atene président ti corps spécial ti avocat oke hunda na aita na ya ti kua ti ala wara yeke ala so ala yeke za tënë na li ti azo wara yeke ala so ala yeke gbu koko ti ala so aza tënë na li ti ala ti tene kua ti ala ni atambula na lege ni tongaso si fade aita ayeke ba ande ayeke ma ande apeko ti afangbangbanga ni si ala yeda na ni kua so si aong so ayeke sara ala yeke sara ni sans pata ala yeke piki ye akua pepe ala gbaa tere ti azo aong ti droit de l'homme ala gbaa na tere ti aong ti avictime aong ti avictime ni ayeke sara kua na aong ti droit de l'homme si ayeke mu tënë ti ala ti tene ague na ni sans pata na devant ti Cependant, la loi prévoit le droit à la contestation à plusieurs niveaux. Au niveau de la chambre d'instruction, en saisissant la chambre d'accusation spéciale. Mais on peut aussi contester les décisions de la chambre d'accusation spéciale et de la chambre d'assises devant la chambre d'appel. La justice doit être vue pour être comprise. C'est pour cela que la sensibilisation et la communication ont une place importante dans le travail de la CPS. Il faut donner l'occasion à tous les points de vue de s'exprimer de façon interactive pour qu'un apaisement vienne de la justice. Cela facilite l'appropriation du travail de la Cour et permet d'obtenir la confiance et l'adhésion de la population. Yatin daraso milondo ti saraso ak yatin daraso ayirini ngati muzu France atene Cour pénale spéciale. Ak mbeni yatin dara ti tene a fali gina centrafricain. Atene na la tene bambeni dati mbanga a sigi so irena te cour pénale spécial so ke CPS so a bagigi ti fang mbanga na ndo ti akpale so a bagigi na Centrafrique a tondani na 1er janvier 2003 jusqu'à na ngoi so yeke da so isara kota tourné so na ti kota tourné ni isara akodro balé oshio na ti tambula so isara so a Centrafricain a yamba ingangu ala yepe ko ti kwa so isara mingi e a ke mbeni kota Nanga ti mujo France ake mbeni kota ouf. Ai ai baba. Ya ke sopeta zo. Ya sopeti soufa. Ya ke sopeta zo la za de toute sa famille. Kala loi mo stressé ma. Ai. Je sais ça que na kontro sa pe. Je sais ça que pe. Azo na mingi so ale garo ti justice ape ale tena sa ki violence ale personnellement. Mais na ke fornage son so apana zo nyala justice ake da so na zo inga nyala. Zo so inga no violence ake zo na pe même si zo abuba ti mo mo gona justice ake ko bien. Mais to mo te zo abuba ti mo ko abuba so ko na zo na pe ape pi ake continue jusqu'à donc to zo sa ti mo kanga beti mo sa pe mo gona justice ake encore bien. Na nga na lege cha ngia ti a ndaga so fade a sigige ni ba ni anzere na mi mingi afana aniso aneke a victime na ya ti aétat de crise so ti tene lege nyen si mo lingbi ti tene mo gue na jeu na devant ti justice so ayeke cour pénale spéciale so ayeke sara kusa na ya kodro ti Lors de la première phase, la sensibilisation avait vraiment un rôle informatif et de pour préparer la population, en gros, lui expliquer le rôle de cette nouvelle cour avec différentes actions. On a eu par exemple la création d'une pièce de théâtre qui a eu 82 dates, 82 représentations à terme, avec des milliers de personnes touchées. On a eu une grande campagne radio en 2018, de 4 mois, qui nous a permis également de faire connaître la Cour, y compris en région, parce qu'il y avait un partenariat avec les radios communautaires qui se trouvaient en région, pas simplement à Bangui, la capitale. On a développé des bandes dessinées, qui permettent de simplifier la compréhension de l'action de la Cour sur 8 planches, très simple, aussi bien en français qu'en sango. On a organisé des sessions de formation à destination des organisations de la société civile pour qu'elles puissent aller en région, aller dans les quartiers à Bangui, elles-mêmes mener des activités de sensibilisation. Il s'agit vraiment pour nous de faire aussi une démarche de renforcement de capacité. Ça fait partie du mandat de la Cour. Pour que la population s'approprie
le message, le mandat de la Cour, et puisse le répéter à des tiers. En tant que Centrafricain, si vous avez envie de vous rapprocher de la Cour, d'obtenir des informations ou même de travailler au processus de justice, il y a plusieurs possibilités. Soit vous participez à un atelier ou à une activité de théâtre, de diffusion de films ou autre, et vous êtes présent, vous avez des informations, vous avez accès à des dépliants, vous avez accès aux bandes dessinées, vous avez accès aux guides de sensibilisation et surtout à quelqu'un. Il y a toujours l'un d'entre nous, soit un juriste, soit un sensibilisateur, qui est capable de vous aiguiller. Ça, c'est le premier choix. Soit nous avons le siège de la Cour à Bangui, dans lequel vous pouvez vous rendre pour obtenir des informations. Le message que j'aurais envie de délivrer, c'est un message d'espoir. On a l'occasion régulièrement d'être en contact avec des personnes victimes, de près ou de loin, des événements qui ont eu lieu. Souvent, ce sont des blessures restées ouvertes et il y avait une très forte demande de justice dans le pays. La Cour pénale spéciale n'a pas vocation à régler tous les problèmes, mais en tout cas à commencer ce travail qui pourra permettre de rendre justice et on l'espère d'arriver même à un processus de réconciliation. Bilung biti tene na itatimbi à Centrafricain. Quoi ti tene betiala adi alazia. Ye quoi akegina ngoini. Ngoi so yekida aketi gingo ti asa ti ginda ti teneni ti inga iso quoi apasi. Na pekoni ngoi tingbanga aussi ake kande kusala so amuna iso inga neneni yeke sani yeke yeke lawa lawa fadigi fane mbanga na litala so sa shoni na tikodoso e becha itaso ake na nduzu so fadiage dande singe.